En tout, Robert, on se fait frapper par un arbitre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Robertson, les gars. Andrew Robertson, joueur de Liverpool. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Andrew Robertson s'est fait frapper par l'arbitre pendant la rencontre Liverpool contre Arsenal. Parce qu'il faut le dire, Liverpool jouait contre Arsenal et le match est fini 2 buts partout. Arsenal a ouvert la marque, ensuite Arsenal a doublé la mise 2-0. Mais par la suite, Liverpool est revenu 2-1 et ensuite 2-2. Liverpool aurait même pu gagner à la fin du match si le gardien de Arsenal ne faisait pas des arrêts monstrueux en fin de match. Donc, pendant le match, donc, l'arbitre a donné un coup de coude à Andrew Robertson. C'est un truc qui est rarement vu dans le foot ou quasiment jamais vu. Voir un arbitre frapper un joueur, moi je n'ai jamais vu ça personnellement. Je n'ai jamais vu ça. Et l'arbitre sera sanctionné, les gars. Il sera sanctionné parce qu'un enquêteur, ça ne pardonne pas. Lorsque tu frappes sur un joueur, tu seras sanctionné. Tu seras sanctionné. Donc, la Premier League est en train de tout faire pour rendre justice à Andrew Robertson. Donc là, ce que je voulais partager, mais donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.